sais quoi, je vais te dire la vérité. Depuis le début, j'avais la... attends, je te dis ma réflexion. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super méga giga bien. Il est beau, il a le poil soyeux. Lilo est avec moi aujourd'hui. Avant de commencer cette petite vidéo, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube juste là, sur le bouton rouge, abonner, bim bam boum. T'appuies sur la petite cloche. Très important. Ding dong. Pour recevoir une notif dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Et ouais, tu peux aussi venir nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, mon Ninou, on va tenter un nouveau truc. L'idée, en fait, c'est de réagir à des pubs TV. Alors, comment on a eu cette idée? Parce que nous, on a un jeu avec les enfants. Dès que la pub commence, on doit deviner c'est une pub de quoi. Par exemple, je sais pas, t'as une pub avec un bébé en début, tu te dis, c'est des couches, des... Donc du coup, l'idée qu'on a eue, c'est de transvaser cette idée-là sur YouTube. Donc Johan a sélectionné des publicités et le principe va être d'essayer de deviner quel produit vend la publicité. Donc le premier qui devine marque le point. D'accord. Et ensuite, on pourra en profiter pour réagir à ces pubs. Vu qu'il y a une comptabilisation des points, à la fin de cette vidéo, le gagnant choisit un gage pour l'autre. Voilà, bim bam boum, c'est décidé, c'est comme ça, on commence. Allez, on y va. C'est des pieds. Ah, il a mis la date et tout, 1995, okay. J'étais pas net. Mytho. De l'athlétisme. Là où il court sur l'eau. Maillot de Carl Lewis. Maillot de bain. Carl Lewis. C'est quoi, c'est un coureur? Carl Lewis, c'est un des plus grands athlètes au monde américain. Ouais, je le connais. Ah, c'est pour des baskets. Nike. Non, c'est pas des baskets. Nike. C'est pas des baskets. Nike. Je l'ai. Est-ce que tu peux donner la réponse ou pas? Mon chat, vas-y. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense que c'est une pub de marque de basket de type Nike ou Adidas. Moi, alors je suis quasiment sûr de moi. Est-ce qu'on n'est pas comme à Interville, on fait des x2? Parce que là, je suis sûr. Non, il n'y a pas de x2, de x10. C'est pour une marque de pneus. On a vu sous ses pieds, il y avait des styles de petits triselés comme ça. Je pense que c'est les pneus. Et je dirais Dunlop. Dunlop, j'ai un doute, hein. Peut-être Pirelli. Dunlop. La puissance n'est rien. Mais non, mais c'est pas possible. Et c'est quoi la marque du coup? Pirelli. C'est pas ce que t'as dit, on est d'accord? Non, mais j'ai un point quand même. T'as un point. T'as un Pirelli. Mais oui, le P de Pirelli qui est... Quel con. Mais comment, pourquoi mettre un mec qui court pour des pneus? Mais justement, parce qu'en fait, t'as beau courir vite, l'adhérence est hyper important. C'est parti. Ah, je sais, je sais. Non, mais tais-toi. Je sais. Tais-toi. Enfin, je crois que je sais. J'ai déjà vu cette pub, putain. C'est pas les pubs Duracell, c'est pub pour les piles du... Ah non, mais pourquoi il se ferait tirer le lapin? Mais à chaque fois je vois un lapin, moi ça me fait penser, tu sais, les pubs, pour les piles là. C'est Duracell. J'ai vu déjà piles. Cette pub. Ok, vas-y, bon, donne ton avis toi. Bah moi c'est le premier truc qui m'est venu, les Duracell, piles Duracell. J'adorais ces pubs quand j'étais gamine. Moi je pense que c'est pour des bonbons pour sentir bon de la bouche. Mais explique pourquoi. Parce que le mec il a chaud, il court, il est pas bien, il prend un bonbon pour la bouche, je suis sûr que c'est ça, vas-y. Ah oui, il a laissé le. On connaît déjà le premier effet Kesko, les bonbons à la menthe qui rafraîchissent. Oh oui! Oh, je suis incroyable! Deuxième effet Kesko. Mais oui, mais en plus, je me souviens de cette pub maintenant! Bébé! Putain, j'aurais dû dire Kiss Cool! J'avais pas pensé à Kiss Cool, je pensais au Mentos. Le. Et bébé, tu sais ce que ça s'appelle ça? Le. Non, tarte. Surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que Loïc, il a passé son enfance devant la télé, quoi, c'est pas possible. Mais la preuve que non, tu l'avais déjà vu cette pub, qu'est-ce que tu racontes? Il était là, le lapin! Le lapin! Le lapin! Le lapin! C'est comme t'as des mecs derrière leur bureau qui travaillent pendant des mois sur un projet là et qui se coulent. Oh les gars, j'ai un projet. On va faire courir un lapin, il va se cacher dans une classe d'école et il va se prendre un qui se coule. Bon, prochaine pub. Ok. Ah putain, je la connais. Et la marmotte, elle met le papier. Non, c'est pas ça. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, je crois, je crois que c'est ça. Je crois que c'est dans cette pub que tu vois la marmotte. Lui, en fait, il va rentrer à la maison. Il va dire, ouais, putain, tu vas pas croire ce que j'ai vu. Et ses potes, ils vont dire, oui, c'est ça. Et la marmotte, elle met le papier, elle met le chocolat. Dans le papier d'alu, si c'est pour Milka. Non. C'est pour Milka, c'est pour le chocolat Milka. Si on veut aller un peu plus loin dans une réflexion poussée par rapport à la publicité, on remarquera les alpages. Donc là, pour le côté qualité du produit. Là, clairement, nous sommes sur une marque de chocolat. Donc moi, je dis Milka aussi. J'adorais cette pub. Ça fait tellement bizarre de revoir ça. Dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Milka. Bah, j'ai un point quand même, hein. Et alors, sachez que à notre époque, cette phrase est devenue virale. C'est comme aujourd'hui le tu hors de ma vue. Mais là, c'était et la marmotte, elle met le papier dans le chocolat dans le papier d'alu. Bah, est-ce que tu t'en souviens? Et tout le monde disait mais bien sûr. Il y a quand même une grande différence entre tu hors de ma vue et celle-là, c'est que la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu, c'est que c'est une phrase française. Voilà, qui veut dire quelque chose et sans faute d'orthographe. Oula, ça fait peur.
C'est une pub pour une alarme pour la maison. Non mais moi je vais flipper là. C'est pas une pub, il nous a fait une blague. Ah, c'est pour prendre des cours de solfège. Mais tu peux regarder la pub? Mais j'essaie de deviner. Il y a quelqu'un qui est passé derrière, on est d'accord? Ouais, il y a quelqu'un qui est passé derrière. Ah, c'est quoi, Johan? Mais c'est quoi? Ah, je sais. Je crois que je sais. C'est pour un jeu vidéo. Resident Evil. Evil. Oh putain. Mais c'est quoi ces pubs? Ça passe à la télé? Ah, Aou. Ah merde. Alors. Attends, est-ce on va analyser tu le Tu fais truc. Toujours toi en premier. Vas-y. Au début, ça fait flipper. Ouais. Mais on a une fin quand même qui est assez drôle. Moi, je partirai pour une pub d'opticien. Ah, c'est pas bête. Ah, felouf. Mais j'ai pas l'impression que c'est une pub française, cela dit. Mais c'est Johan Lamy, je pense que c'est parce que le nom de la marque est trouvable. Je partirai sur opticien à felou. Alors, c'est une très bonne idée que je n'ai pas eue et je suis franche. Moi, vu qu'il y avait des trucs de travaux devant le mur qui s'est pris, j'aurais dit, tu vois, un truc par rapport à le roi Merlin ou un truc du genre. Ah, oui. Mais l'opticien, c'est vraiment pas mal, hein. Nothing Ripple. Tiens! J'ai raison! Bah comment? J'ai raison, c'est par rapport au mur, c'est la peinture! Mais c'est de la peinture, c'est pas le roi Merlin! Mais j'avais raison, non mais. T'es plus près que moi! J'ai compris l'histoire! Oui, mais non, alors mais... je comprends pas par contre pourquoi il s'est pris le mur, parce qu'il a peint pub suivante. Ah, il veut des bonbons. Non. Ah. Ah punaise, je l'ai déjà vu, je crois. Oh, les sales gosses, quoi. Oh, ah oui, j'allais dire, est-ce que tous les parents n'ont jamais vécu ça, mais non, là, quand même. Oh, on n'était pas loin. Et mais là, c'est super chaud. Ouais, là, c'est très, très difficile. Moi, je pense que c'est un lien avec l'éducation. Moi, je dis que c'est pour une école privée et j'ai pas le nom. Pour une école privée? Ouais. Il y a des pubs télé pour les écoles privées? Remettez-les à l'école, un truc comme ça. C'est quoi la logique? C'est, il pleure dans un magasin, le père, il s'en fout un peu. Allez, ah, mais parce que cette fois, c'est pas son gosse. Mais toi, tu vas tellement loin dans tes réflexions. Je sais. C'est une pub pour les préservatifs, pour pas faire d'enfants. Ah. On est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est une pub pour Durex. You, ah, mais c'est ça. Yeah. C'était ça. Et franchement, ouais, là, la réflexion, bravo. Elle est pas mal, bravo, du tout. Ouais. Par contre, la marque, non, c'est Zazou. Mais pour le coup, ouais, je mérite 2 points parce que... Non, mais France, jamais de la vie. En France, ça n'existe pas les préservatifs Zazou. Tu n'as pas la marque. Tu dis pas, attends, j'ai un Zazou. Mais je vois pas pourquoi t'aurais le point, t'as pas trouvé la marque. Mais cela dit, très bonne pub. Hein. On continue. Voilà. C'est ton pote qui avait un chien comme ça, là, c'est excité, ça. Et il est pas rentré dans la bonne maison. Ok. Oh, bah, tiens, viens, ami. Il y a une visite. Papa, c'est l'ami. Papa est là, Nami. Papa oh, est là. Oui. Il t'aime, papa. Papa t'aime. Oui. Mais oui, il t'aime, papa. Bah oui. Tu vois, il y a le côté chien foufou. Il y a le côté, il rentre, il a l'impression de se tromper. Ouais. Et vu qu'il revoit le numéro, il re-rentre et il n'y a plus personne. Ouais. Est-ce que c'est pas parce que ses maîtres sont partis en vacances et ils ont abandonné le chien? Et moi, je dis campagne de prévention pour la SPA, pour les gens qui abandonnent leur chien sur le bord de la route. Moi, je pense que c'est une pub pour un opticien. Et il s'est trompé de maison, du coup, parce qu'il a mal vu. Merde. Ah ben oui, ils ont changé tous les meubles. Mais impossible à trouver. Non, ouais, franchement, j'étais pas. Et du coup, il rentre. Et du coup, il reconnaît pas parce que c'est tellement bien. Ou alors meublé. Ils sont à Ikea. Non, là tu. Non, mais peut-être qu'il y a personne parce qu'ils sont en train de faire les courses à Ikea. Mais non, l'idée c'est qu'ils ont refait la mais maison. Mais il est con le chien, ils ont quand même pas refait la maison le temps qu'il est dehors. Ça là, on l'a mis nous, ça là, on l'a. Oh. Ça c'est un jeu vidéo, Tomb Raider. Déjà il est pas du tout. Call of Duty. Il est pas du tout habillé pour se faire pour courser. Ouais, donc c'est ça, il est dans le jeu vidéo. Tu vois, il a l'impression de le vivre. C'est un acteur français, ça. Ah mais oui, je le connais lui. C'est un youtubeur. Ah merde. Non mais c'est sûr, c'est ça. Ah oui, il est dans la merde, quoi. Ah, ou alors c'est pour les assurances vie. Assure-toi bien, quoi.
Ah, je sais. Oui, tu laisses finir. Oh. Quelqu'un qui puisse réagir, bah, j'étais embarqué dans un camion de livraison. Ah et... oh, putain. Je l'ai, moi. Attends, tu l'as? Non, moi, je l'ai. Alors, attends. C'est pour Canal+. Les créations de séries Canal+, le mari rentre, lui en fait il est en train de coucher avec la femme et là il lui explique une histoire de fou et là il va dire voilà cet homme là est un créateur de séries sur Canal+. Moi je pensais que c'était pour bien dormir la nuit, une pub de matelas. D'accord. Mais en vrai t'as raison, c'est ça. Ouais. Maintenant je m'en souviens, mais honnêtement je l'aurais jamais dit. Mmh. Ou alors je pensais à un jeu vidéo, tu vois, s'il n'y avait pas eu cette fin là. T'as un bug, hein, sur les... j'espère que Yohan aura mis. Mais non, mais parce que ça faisait genre t'es en immersion, ouais, dans Call of Duty ou quoi. Non, je suis quasiment sûr que c'est ça. Ah, c'est incroyable hein. Hein, t'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou. Un bon gros mythomane, quoi. Taquet, taquet, taquet. Arrête! On va dire un truc, c'est que Loïc a un point fort par rapport à moi, c'est qu'il a une très très forte mémoire visuelle. Moi, je suis archi nul. Roxane? On s'est déjà vu, non? Bernard? Non. Ah. Très belle. On enchaîne. Putain, c'est pour un opticien, ça. Et en plus c'est vrai peut-être. Là il a mis à côté, on est d'accord? Ah oui, largement. Merde. Je suis sûr que c'est par rapport au mec derrière là. On a fait la même tête que l'autre à côté. Génial. Ah ouais. Moi je pense que c'est genre, tu vois, ne vous fiez pas aux apparences. Ouais. Moi, ou alors une pub de loto. Moi je pense que c'est une publicité pure Bureau Vallée pour les fournitures scolaires. Non, j'ai franchement... Bah dis, il faut que tu proposes quelque chose. Mais j'ai aucune idée. Propose un truc, Ninou. C'est pour Mythique. Ouais. De pas te fier au profil du mec qui t'a l'air tordu, parce que s'il faut c'est un mec, okay, bien. Ok. C'est quoi? C'est les lentilles. Eh ben. Mais j'avais raison. Bah t'as dit Mythique. Putain, mais pourquoi j'ai changé? J'avais raison, mais je l'ai dit. J'ai dit opération des yeux. C'est pour Mythique. Bah oui. C'est pareil, c'est parce qu'en fait il voit super bien même sans lunettes. C'est pas une... Je l'ai dit. C'est pas une opération, c'est une lentille. Je l'ai dit, toi t'étais là Bureau Vallée. J'aurais pas... J'étais plus proche de toi. J'aurais pas accepté. Très bonne pub quand même. Très bonne pub. Je l'ai. Bébara. J'adorais ces pubs. Elles sont géniales. C'est pas trop chou? C'est trop bien fait. J'adore. Après, dès qu'il y a des bébés, on est attendri dans une publicité. Hein. Les bébés ou les chiens? Regarde la vieille. Alors, 1, 2, 3, et bien. Et ta semaine, il faisait. Na 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 The reinvented plant. It fights crime. Ce serait génial. Reinvented curtains. They are made of pizza. This is reinvented rain. It makes you stupid. Ah merde. Putain. Attends, mais j'ai aucune idée. Coca-Cola? Ouais, Coca. Ou genre, tu vois, un dernier smartphone en te disant putain, j'ai un scénario dans ma tête. Oh, je tiens une pub, les gars. Imagine, t'as tous les trucs comme ça, là. Et à la fin, il dit, ok, tout ça n'est pas possible. Mais par contre, lui, il peut te faire des photos naninanananananana. Et c'est pour un téléphone portable dernière génération. Bim! Et même si c'est pas ça, tu sais quoi, ça aurait été une pub de Gueudin. Donc je vais penser la même réflexion que toi. J'aurais... Non mais vas-y, tu peux pas voler ma réflexion, mais tu l'avais pas. Je vais dire que c'est une voiture. Ouais, mais d'accord. Moi, la marque, je dirais Opel. Moi, je dis Apple. And this is the non, non. Mais vas-y. Oh, qu'est-ce que je suis fort. Mais bravo mon chat, parce que tu m'as complètement mis sur la piste. Et t'aurais jamais trouvé que c'est une voiture si j'avais pas donné ma théorie au alors, bout d'un écoute, moment. Alors écoute, à la base je voulais dire Tesla, tu vois, donc t'es oui, mal barré. Oui, ah oui, alors oui. Voilà. Ok, je sais ce que c'est. Bah non, non, arrête, alors laisse-moi réfléchir. Quand le volcan de verre était enfant, moi je l'ai. Il riait très fort. Ça va faire deux points, ça. Arrête.
C'est un parfum, ça? Ah non, c'est un fromage. Ils ont laissé de minuscules traces très précieuses et toujours vivantes. Allez, des bébés encore, hein? Pas toujours en éveil. C'est Kezak. Ouais, putain, je l'avais. C'est ça? T'es chiant, c'est ça? Bah oui. Ça fait trop qu'il s'appelle Orio. Kezak. C'est ça? Ouais, c'est... Alors, je vais te dire la vérité. Je connais absolument pas cette pub, j'en connais d'autres. Mais l'intonation de voix, ça faisait trop Kezak. D'habitude, c'est la petite fille avec son papy et la chèvre. Son papy lui raconte l'histoire. Pourquoi tu mets un doute là? Est-ce que ce serait pas Volvic? Qu'est-ce s'appelle Orio? Volvic. Non, mais c'est pas qu'est-ce s'appelle Orio. Non, c'est on a dit Kezak. On va dire Kezak. Je suis sûr que c'est ça. Allez, bim bam boum. Volvic. Oh, le volcan s'éteint à 1,7 m. Tu sais quoi? Je vais te dire la vérité. Depuis le début, je savais. Attends, je te dis ma réflexion. Au début, je savais que c'était Volvic parce qu'il y a les volcans. Et je t'ai mis la boîte à mes. Et du coup, à la fin, je me suis dit, mais oui, elle a raison. Mais je trouve qu'avant... Volcan d'Auvergne. Les pubs, elles étaient très ressemblantes les unes aux autres. Maintenant, ils font tout pour se démarquer. Là, tu vois quand même que c'est soit Kezak, soit Volvic, soit de l'eau, quoi. De l'eau, oui, voilà, de l'eau. Ouais. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, elle a chaud, elle. Ah oui. Très chaud. Frais. Oh. T'empêcherais pas de mettre un pantalon non plus, quoi, mais bon. Oui, ben ça va. Bon, vraisemblablement, on est sur une personne qui a des problèmes de sudation. J'ai trouvé, on est sur une pub pour les climatisateurs Thompson. Elle a chaud, climatisation. T'as plus besoin de te jeter à l'eau pour avoir frais. Okay. Les premières climatisations qui sont sorties. On est devant une personne qui a des problèmes de sudation, très clairement. Je pense que cette personne devrait déménager, mais je pense qu'on est sur des serviettes hygiéniques et qu'en fait, elles restent au frais toute la journée. Ah oui, rien à voir. Fais-moi frais. Ah oui, non. Alors, on n'était pas... Alors, rien à voir, je comprends pas la pub. Alors, clairement, pourquoi une pub aussi glamour pour tartare, je comprends pas. Fais-moi frais. Mais frais, je comprends pas. Mais parce que le tartare, c'est frais, je... Oui, mais d'où l'utilité de foutre une femme dans de l'eau, plus ou moins dévêtue, en disant frais. On voit les fesses pour attirer l'homme qui est devant la télé, je comprends. Non, les gens, stéréotypes de base, quoi. Stéréotypes. Voilà, tout ce qu'on n'aime pas. Mais non. On ne valide pas. Passe à la pub suivante. Okay, et on a zéro, là. Zéro, c'était impossible à deviner. On est aux States. 1, 2. Ok, Ray Charles. Ok. Oula. Voilà. Ah, c'est une pub pour les freins. Ah, mais alors là, j'ai aucune idée. On dirait un film, on dirait même pas une pub. Ah ouais. Ça, c'est fini là? En fait, je pense que ça symbolise le fait que quand t'écoutes ta musique, tu sois en ville, tu puisses te promener partout. Ok, bah je vais m'inspirer de ton idée. Quoique, écouteur à l'époque. Je vais m'inspirer de ton idée. Radio cassette. Bah moi, je vais m'inspirer de ton idée. Et je vais dire pour les premiers lecteurs CD. Parce que à l'époque, on n'avait pas de téléphone, rien. Et c'était, tu t'en souviens, les gros trucs ronds. Que je devais faire. Au collège, on emmenait nos CD. Mais alors, on va passer pour des yèvres. Tu mettais ton CD dedans, ça prenait tout ton cartable ou toute ta poche, là où tu marchais avec, et t'écoutais ton album de titre. Ah, c'était les casques. Je l'avais dit, casque. Ton hypothèse était dont t'as pas la marque. J'ai dit Pionnier. Hein. Mytho. Tu connais ça? J'ai un doute sur la marque. Mais ça me parle. Et ça, c'est pas du vol de couleur peut-être? Je sais. Moi je l'ai. Kodak. Ouais. Kodak appareil photo couleur. Je t'aime. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est les... qu'on avait, oh là, mais c'est sûr, c'est Kodak. Oui, c'est sûr, c'est ça. Mais en fait, vous savez, c'est là que les publicités sont fortes. C'est des publicités qui ont vraiment inventé leur identité visuelle. C'est-à-dire que sans connaître la pub, tu repères des choses qui te font penser à la marque. Ouais, ouais. Tu sais qu'il y a des marques qui ont tellement marqué que maintenant, le nom du produit, c'est le nom de la marque. Bah, Frigo. Frigo, Kleenex, Sopalin, il y en a plein. Tout ça, c'est des marques en réalité. Ah. Et donc, c'est les appareils jetables couleurs. Et à l'époque, il n'y avait pas appareil de photo instantanée, tu prenais une photo, tu savais pas à quoi ça ressemblait. C'est ça. Et nous, on adorait en vacances, on avait tout le temps ça, et à la fin des vacances, c'était la joie d'aller les faire développer. Et... À notre premier mariage, on s'en est d'ailleurs servi. Oui. Ça a été clairement une erreur parce que tous nos amis, sur les tables, on avait mis des appareils photo, et en fait, quand on a fait développer, on en a eu pour 150 euros, ils ont fait que des photos de leurs fesses.
nuance. Voilà, c'était sympa. Voilà. La gomme de mariage est beau. Oui. Franchement, c'est en nuance. Il y a du poil, il y a du poil, quoi. Il y a du poil. Mais bon. C'est les pellicules. Oui, mais bon. C'est les pellicules. Voilà, ça passe. On est pas mal. Ça passe, allez. Bravo. Ok, on est incroyable. Je l'adore celle-là. Mais elle est tellement énorme celle-là. Oh le con. Et là il est. Attends, j'adore. Flower. Desire. Ok. C'est Clacky Ball. Oh. Et là je peux même te dire qu'il a le bol de. Il a le bol là. Ouais, il fait, les saucisses. Et là toi, fait. Et après il fait. Desire. Là on est fort. Non mais c'est surtout que là on est sur une pub mythique. Oui. Après mythique pour notre génération. Ouais. Clacky Ball. C'est bon d'avoir les boules. C'est ça. Là, on est quand même vraiment dans les pubs qui clairement nous ont marqué en vrai. Ouais. C'est-à-dire que tu peux nous regarder, on a regardé 2 secondes et hop, on sait ce que c'est. Sincèrement. Et on sait la marque. Et en plus de ça, on l'a déjà fait à la maison, la même blague. Mais c'est ça, mais donc ça veut dire que c'est vraiment des publicités réussies qui ont marqué. Le mec qui a créé cette pub, j'ai qu'une chose à lui dire. Bravo! Peut-être là, c'est la dernière pub, mais on peut peut-être dire aussi qui a gagné dans cette vidéo. C'est drôle, mais quand tu gagnes, c'est mieux, tu vois. Bravo. Bon, c'est quoi mon gage? Alors moi, je te propose qu'on fasse une vidéo recette tous les deux, mais c'est moi qui décide de tout. C'est-à-dire? Je trouve la recette, je fais les ingrédients, okay. Mais tu seras mon commis. Ça te va? Ça me va. J'espère que vous aussi, bah, comme d'hab, hein, dans les réactions, vous avez aussi joué le jeu, essayé de deviner les pubs, etc. Comptez les points. Je pense qu'on fera un numéro 2, parce que clairement, j'ai kiffé. Nous, on vous donne rendez-vous dès mardi à 17h30 dans une nouvelle. Bah, vidéo, hein, bien sûr. On vous aime de ouf, de dingue. De malade. Ciao.